Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce premier film 100% SGA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes dans la protection du silure depuis 2008 et la promotion de sa pêche. Dans ce film, vous irez à la rencontre de différents acteurs qui nous aident dans tous nos combats, dont celui de la labellisation d'un parcours silure de nuit. Tout de suite, rejoignez Tristan et Nicolas, rencontrez deux de ces personnes et moi je vous dis à tout à l'heure pour une partie de pêche. Bonjour à tous, voilà, on se retrouve avec Nicolas à la Fédération de Vaucluse qui est derrière. On va aller à la rencontre d'acteurs qui ont suivi de nous aider dans le projet de parcours silure. On va commencer par Adrien Morenas qui est député de Vaucluse. On va lui poser la question du pourquoi il a accepté de participer à ce projet. Ensuite on va aller à la rencontre de Claude Galin-Martel, c'est la directrice de la Fédération du Vaucluse. Et on va l'interroger sur tout ce qui est volet économique lié à la pêche dans notre région et qu'est-ce que peut apporter ce parcours silure justement à notre région. Je vous invite à nous suivre, on va aller à leur rencontre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Adrien, on est venu te voir pour parler un petit peu du parcours silure, savoir un petit peu pourquoi tu as décidé de soutenir ce parcours. Et puis voilà, bah explique-nous un petit peu ton ressenti par rapport à tout ça. Déjà je vais commencer par me présenter, donc je m'appelle Adrien Morena, je suis député de Vaucluse, la 3e circonscription. Pendant 3 ans j'ai été président du groupe pêche à l'Assemblée nationale et aujourd'hui je fais partie d'un groupe qui est fusionné, qui est le groupe chasse, pêche et ruralité. Et c'est vous m'avez interpellé dès le départ pour soutenir ce projet. Et c'est un projet qui, pour moi, me semble abouti, puisqu'il utilise déjà un parcours existant. Et nous avons, avec le président de la fédération, décidé que le Vaucluse serait une des destinations phares en matière de pêche, et de toutes les pêches, j'insiste bien sur toutes les pêches. Et aujourd'hui, on arrive à voir quand même que la pêche au silure est une activité qui attire énormément de monde. Et dans l'idée d'attirer énormément de monde, il nous a paru opportun de faire labelliser un parcours qui pourra attirer de nombreux touristes, mais aussi de nombreux pêcheurs du département. Et à ceci, j'y vois aussi notre intérêt, c'est que si je mets des pêcheurs sur les berges la nuit, ça permettra également peut-être de lutter plus activement contre le braconnage. Et on sait qu'aujourd'hui sur les rives du Rhône, le braconnage est une activité qui est en plein essor. Les autorités y sont confrontées tous les jours et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en présence d'autres personnes sur les berges du Rhône, le braconnage a tendance à diminuer. Donc pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'apporter mon soutien et on a vraiment envie de pousser au niveau des autorités, qu'elles soient locales ou parisiennes, ce projet pour qu'on devienne, si ce n'est généralisé, au moins à titre expérimental pour que le parcours silure devienne l'expérimentation en Vaucluse pour l'ensemble du pays. Bon, bah, très bien. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu vois l'avenir de la pêche de loisirs dans le Vaucluse ? J'y vois un bel avenir. Aujourd'hui, nous sommes un département où on a largement sous-estimé le potentiel pêche. Et on a aujourd'hui une fédération qui est énormément impliquée, qui lance de nombreux projets. Le parcours silure qu'il y a entre le Gard et le Vaucluse en est un et est un des plus importants. Mais aujourd'hui, que ce soit sur la pêche de la truite, que ce soit sur la pêche du brochet, que ce soit sur l'ensemble des pêches qu'on a dans le département, il y a du développement, il y a du développement à construire et à construire de belles manières. On sait que le pêcheur est une des plus grandes sentinelles écologiques. Donc l'apport, au plus on aura de pêcheurs au bord de nos berges, au plus on aura de garants de la biodiversité et des garants de l'entretien écologique de nos cours d'eau,
Et je laisserai introduire Claude, qui est directrice de la fédération, sur le sujet économique, parce que il ne faut pas négliger cet aspect-là. Aujourd'hui, on doit développer aussi un tourisme raisonné, pas un tourisme de masse en matière de pêche de loisirs. Mais le Vaucluse peut devenir une des attractions phares et une des attractions touristiques phares en ce qui concerne la pêche, et les retombées économiques pour le département seraient immenses. Et je laisserai donc Claude vous en parler mieux que moi, parce qu'elle maîtrise le sujet sur le bout des doigts. Très bien. Donc merci Adrien de nous avoir reçus à la Fédération du Vaucluse. Et quant à nous maintenant, nous allons aller à la rencontre de Claude, directrice de la Fédération du Vaucluse, qui va nous parler du volet économique sur la pêche de loisirs et l'impact qu'elle a sur le département. Bonjour Claude, on est venu vous voir pour vous nous parler un petit peu du volet économique de la pêche de loisirs dans le Vaucluse et plus globalement dans la région. Qu'est-ce que le parcours Silure va pouvoir apporter quelle perspective on peut avoir grâce à ce parcours Silure au niveau économique? La pêche en Vaucluse, c'est à peu près 6 millions d'euros de chiffre d'affaires engendré, d'impact direct au niveau économique, on va dire. Sachant que pour ce qui concerne les pêcheurs dans le Vaucluse, c'est à peu près 60% qui ont moins de 44 ans. Donc, ce qui fait que ça représente quand même un pourcentage en devenir sur de la pêche de silure qui est important. Il faut savoir que nos pêcheurs sont majoritairement pêcheurs de carnassiers et dont le silure en Vaucluse. Pour ce qui concerne le panier moyen en fait de consommation, on va dire pêche pour nos pêcheurs, c'est à peu près 800 euros par an. Et un pêcheur de silure, ça peut aller jusqu'à 3500 euros par an. Aujourd'hui, les pêcheurs de silure, lorsqu'ils veulent vraiment s'adonner à leur loisir, ils vont aller en Estrémadour, ou même si certains veulent se mettre à une pêche du même type, un peu sportive, ils peuvent aller pêcher en mer, dans les îles ou ailleurs. Enfin bon, ils vont aller consommer quelque part ailleurs. Aujourd'hui, nous, on se dit que ce serait quand même beaucoup plus intéressant que ces pêcheurs-là reviennent en Vaucluse. On a un site, le Rhône, qui est particulièrement adapté pour la pêche du silure. Et donc, on voudrait faire vivre ce sport loisir nature sur notre département plutôt qu'ailleurs. Alors, c'est un parcours que l'on gère conjointement avec le Gard, puisqu'on est partenaire sur la labellisation de ce parcours, et on aimerait vraiment pouvoir lui donner sa place en tant que tel. On a, comme je vous le disais, un pourcentage de pêcheurs jeunes, donc un pourcentage de pêcheurs de silure jeunes, et donc le devenir de cette pêche pourrait nous amener plus de retombées économiques sur le département, ou sur nos deux départements, puisqu'on a des richesses communes, on va dire. Et donc de peut-être permettre à la pêche de loisirs, qui est déjà riche en Vaucluse, d'avoir un volet complémentaire. Eh bien, merci Claude pour ces éléments de réponse. Merci de nous avoir accueillis à la Fédération. Merci. Maintenant, on va partir au bord de l'eau pour découvrir quelques techniques de pêche de silure. Donc on va pêcher en vertical, on va pêcher opposé. Donc à tout de suite au bord de l'eau. On va faire un petit peu de poisson. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Par contre, ça serait intéressant si on passait voir Philippe pour lui demander ce qu'il pense de tout ça. Ouais, bah Philippe, je crois qu'il m'a dit qu'il était au camping, donc on va aller le voir. En plus, avec un peu de chance, il y aura le patron qui sera là, on pourra lui poser la question aussi de ce qu'il pense de ce projet. Et bah parfait, go. Allez, c'est parti. Parcours silure, au niveau de ma clientèle, je pense que ça va être vraiment un essor économique pour, pas spécialement pour ma clientèle, mais pour tous les environs. Pour ma clientèle, ben, c'est certain qu'on aura sûrement des voyages de pêche comme ils se font pour le moment à Mequinenza, où il y a un essor de pêche
vraiment depuis 20 ans qui existe et qu'on peut développer en France, je pense, style de pêche au pollet ou pêche opposée avec des gros vifs d'une certaine taille, avec une taille inversée au niveau des vifs, ou au pollet, comme il se passe déjà maintenant, les carpistes qui pêchent sur les parcours de nuit s'éclatent avec les silures. Donc je pense que c'est un truc, un essor commercial qu'il faut développer et qu'on peut organiser quelque chose de vraiment bien structuré avec une association comme SGA. Aujourd'hui, le parcours silure est très important pour le camping Tartarin à Tarascon et pour les autres sites environnants. Nous avons 30% à peu près de notre clientèle qui est pêcheur et pêcheur silure exclusivement. Ouais, c'est quand même quelque chose qui est recherché. 30% de pêcheurs sur le camping, c'est 15% d'étrangers qui cherchent la pêche sportive. Aujourd'hui, c'est une vraie manne pour le tourisme alentour, que ce soit pour le camping, pour les commerçants, les sites à visiter. J'en veux pour preuve, nous avons une allée de mobilhomme où tous les noms des mobilhommes, des locations, sont des noms de poissons, car nous aimons et partageons avec nos amis pêcheurs. Est-ce que ça va pour compter ça ? Je sais plus combien ils prennent de litres, c'est énorme. C'est des anciens pilotes de chasse qui font ça. C'est bon ? C'est bon ? Ça va aller. Eh bien voilà, nous sommes arrivés sur le bief du Rhône, on veut pêcher. Malheureusement, hier, il y a eu un petit contretemps pour des raisons de sécurité. On a annulé la partie de pêche qu'on a reportée aujourd'hui puisqu'il y avait pas mal d'orages, du vent et tout ça. On vient rejoindre Eric, un membre du bureau SGA, qui va nous accompagner dans cette petite partie de pêche. Donc avant tout, c'est du partage, de la convivialité, des parties de rigolade. Donc je vous invite à nous suivre pour ce petit moment entre amis. Tu vas bien ? Bon, prêt pour cette petite partie de pêche ? En tant que garde fédéral, je pense que c'est intéressant parce que déjà les siluristes sont quand même très présents sur le Rhône puisqu'on a quand même une belle population. Et puis on a beaucoup de braconnage ici sur le Delta, enfin sur le Rhône et jusqu'au Delta. On a quand même on a des conflits entre les pêcheurs de loisirs, les professionnels qui pensent pouvoir tout faire. Hein. Donc c'est important d'avoir régulièrement des gens qui soient au bord de l'eau. Parce que c'est un peu nos sentinelles, hein, c'est eux qui vont nous indiquer, nous dire, bon ben voilà, il se pose par exemple défiler le dimanche, alors que c'est totalement illégal, qu'il va se poser un peu n'importe quoi, sans marquage. Et puis on a aussi quand même beaucoup de populations, alors soit des pays de l'Est, soit des gens qui sont bien ancrés sur le territoire, qui viennent braconner le silure notamment, alors certainement pour de la revente, alors qu'on sait que le poisson n'est pas comestible, et qui viennent poser des lignes de fond, qui vont pêcher à l'électrique, puisqu'on a déjà eu le cas. Et c'est toutes ces personnes qui pratiquent le silure qui vont nous indiquer ça. Alors, quand c'est des carpistes de nuit sur le parcours, ils vont nous dire attention, hein, la nuit, on a quand même quelques oiseaux qui viennent faire un peu n'importe quoi. Et si on ouvre ce type de parcours à des pêcheurs de nuit, ben nous, en tous les cas, je trouve que ça va nous donner encore plus d'informations sur ce qui se fait sur le Rhône, parce qu'on est quand même entre ici et la Camargue. Ouais, c'est très large, hein, c'est des milieux qui sont grands. Et donc avoir des sentinelles au bord de l'eau. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'on sait que le silure, à force d'être traqué, il a quand même une activité assez nocturne. Et on a des pêcheurs, c'est quand même l'avenir de la pêche, hein, ici sur le Gard, puisque bon, pour la truite, on a de moins en moins d'eau. Donc
On sait que c'est une silure qui intéresse de plus en plus de gens. Et ouvrir des produits pêche, surtout sur des pêcheurs qui sont souvent, qui pratiquent le no-kill. Et justement, si le parcours silure voyait le jour pour la pêche de nuit, ça serait forcément une pratique en no-kill. Donc oui, il faut ouvrir des produits pêche. Et donc ça fait partie, je pense que c'est une bonne idée et je pense qu'il faut tendre vers ça. Pour moi, c'est bénéfique, hein, vraiment. De toute façon, on est sur un fleuve quand même, on va pas se mentir, hein, les résultats toxicologiques sont pas bons, hein, sur les chairs des poissons, donc si on peut pas le consommer, mais allons-y, pêchons-le en no-kill, ouvrons du produit pêche pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui vienne se régaler. Donc voilà, tout est bénéfique, je pense que c'est une très bonne initiative et je pense qu'il faut, c'est l'avenir de la pêche, hein, ouvrir la nuit sur des secteurs. Alors attention, il faut que ça soit quand même, il faut qu'il y ait des règles, hein, mais oui, c'est vraiment... Ça va dans le bon sens. Bonjour. Très bien. Voilà, super, merci. Bonne journée. Il y a 76 ans que je vis au bord du Rhône, donc je connais un petit peu tout ce qui s'est passé depuis. La présence des poissons a complètement évolué. Au début, les centres étaient pris pour les étrangers, et après, quand les silures sont arrivés, ils ont été haïs par les pêcheurs de d'Ablette, les pêcheurs de cendres, les pêcheurs de brochets, parce que c'était des mange-tout et que c'était vraiment des envahisseurs. Quoi. Voilà. Ça, c'était il y a combien, 15 ans, 20 ans, voire là, je ne sais pas, je n'ai pas mémorisé exactement. Bon, aujourd'hui, je crois que les pêcheurs sont partagés en deux camps, quoi. Il y a ceux qui sont pro-silure, ceux qui sont contre les silures, donc ce sont toujours les mêmes, quoi. Ils mangent tout, les aloses qui mangent, ils se mettent dessous, ils bouffent tout. Bon, ça, c'est les contre. Ensuite, il y a ceux qui sont pour, et notamment, je pense, les présidents de fédérations, dont la mienne, dans le Gard. On est favorable donc au développement de cette pêche du silure. La bonne preuve, c'est qu'on a fait un parcours passion silure avec nos amis de la Fédération du Vaucluse, un peu plus haut du côté des Angles, de Villeneuve. Mais je pense que c'est presque la pêche d'avenir, quoi. Ça, c'est une des pêches d'avenir, donc c'est la pêche gros sur le Rhône, quoi. Et moi, je vous assure, je passe pratiquement tous les soirs, ou pratiquement tous les jours sur le Rhône, avec ma voiture là, et je rencontre à partir de maintenant, je rencontre de toutes les nationalités, des Hongrois, des Allemands, des Anglais, des j'ai jamais vu de Russes, des Suisses, tout. Ils viennent pêcher le silure, mais ils aimeraient bien pêcher le silure la nuit. Bon, le problème de la pêche du silure la nuit, c'est que ça n'est pas autorisé par le code de l'environnement. Il faut faire évoluer le code de l'environnement, et je crois qu'on va s'y emploie à tous. On fait des demandes régulières à la Fédération nationale, on fait des demandes chacun dans nos fédérations, on fait des demandes au préfet, à la préfecture de la DDTM. Je pense que ça va évoluer. Ça va évoluer à court terme, ça va évoluer, parce que les gens prendront conscience de l'intérêt de cette pêche au silure. Mais je vois un très bel avenir pour la pêche sportive de ce poisson. On s'est positionné avec Tristan en aval des deux Nicolas pour essayer de faire une pêche au flotteur sous-marin. On a choisi une pêche essentiellement de bordure vu que le Rhône a pas mal monté dans la nuit. Il charrie pas mal de bois, etc. Donc pour la sécurité et pour la facilité de la pêche, on va se cantonner aux bordures. Et on pêche à deux fois deux cannes.
et bah, en espérant que ça déroule. Premier poisson, ça y est, on a décapoté, toujours le stress de faire capot sur une session. Donc voilà, premier poisson, petit, mais ça nous laisse beaucoup d'espoir pour le reste. Voilà, petit poisson, on verra par la suite ce que ça donnera. Un bon début. Donc la pêche est difficile suite à la montée des eaux, un débit qui a dépassé les 7000 m3. Mais ça fait plaisir de prendre un poisson. Parce que la pêche, ça reste quand même compliqué. Donc vraiment bien. Donc on va le remettre à l'eau. Allez, repart. Un steak, un beau poisson. Début de session avec vraiment un très gros poisson, vraiment exceptionnel. J'espère que la suite va être aussi belle et je vous invite à suivre. Restons des aventures. Donc comme vous pouvez le voir, les poissons du Rhône sont vraiment très gros. Après une grosse crue sur le Rhône, il vient de me faire un combat. Voilà pourquoi j'aime ce poisson. L'adrénaline, les combats, tout ce qu'on aime. Donc celui-là, il m'a vraiment rincé, et dans tous les sens du terme. Encore un mammouth. Voilà mon second poisson du Rhône. Ça fait vraiment très plaisir. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un poisson qui est encore très gras et très long. Les conditions difficiles finissent toujours par payer. Là, c'est vraiment un très très gros poisson. Donc je suis vraiment heureux. Espérons que la suite soit aussi bonne.
magnifique poisson pris ce matin de bonne heure. Donc le principal, c'est le partage. Donc on a invité Léa qui passe nous voir tous les jours. C'est vraiment une grande passionnée du silure. Donc la relève est là et espérons qu'il y ait plus de femmes qui prennent l'exemple. Donc c'était vraiment primordial que Léa soit là avec nous pour voir comment se déroule la manipulation sur des gros poissons. Et puis j'espère qu'à l'avenir, elle sera vraiment encore plus passionnée qu'elle l'est aujourd'hui. Faire vivre ce parcours qui est le seul parcours silure labellisé de France. Nous le faisons conjointement avec la Fédération de pêche du Gard et Silure Glanis Association. Nous travaillons sur le code de l'environnement avec les services de l'État pour faire évoluer la réglementation, notamment la pêche du silure de nuit et la mise en place de fenêtres de capture. Poisson de plus, ça fait vraiment plaisir. Un peu plus gros que le premier a priori. Vu le débit du Rhône, c'est vraiment bien. Et là, ils sont en pleine santé avec les débits montés. Écoute, ouais, c'était assez compliqué, on était quand même assez stressé malgré le petit poisson d'hier soir. Donc là, ça fait plaisir, un poisson un peu plus gros. Et puis pour lui que ça dure. Bon ben voilà, un joli poisson, on était en train de manger. Il nous a un peu surpris. Et puis au final, malgré une pêche difficile, des conditions difficiles avec un Rhône qui est en grosse crue, ben, un poisson qui vient mordre quand même, donc c'est cool, ça fait plaisir pour tout le monde. Voilà. Bon travail d'équipe. Yes. Bon bah du coup on fait aussi du petit poisson. Celui-là il est venu gober un carassin qui faisait ça à peu près. Et puis voilà, hein, ma foi.
Ramène la première si tu veux. Celle qui vient de casser là. Et deux, trois. Ouais, très content. C'est dur, mais on arrive quand même à tirer l'épingle du jeu. C'est super. Et ben voilà, donc un dernier petit poisson pour clôturer notre belle session, notre bon film. Donc on s'est bien amusé, même si on a des conditions assez difficiles. Voilà, donc un bon dernier poisson et puis un bon moment entre copains. Voilà, on va leur jeter à l'eau. Vraiment des moments de partage. Allez. Ainsi que se termine notre film sur le Rhône. Je tenais à remercier donc mes collègues qui étaient avec moi sur ce tournage, Tristan, Nicolas et Eric, Geoffrey au caméraman, et je tiens à remercier tous nos adhérents qui nous suivent depuis des années. Et je voulais rajouter une chose, c'est que n'oubliez pas que les combats sont encore longs, difficiles, mais j'ai un grand espoir qu'un jour on réussisse à faire vraiment valoir ce poisson et lui donner la vraie image qu'il a et pas l'ocre d'eau douce que certains peuvent prétendre. Donc je compte sur vous pour nous aider, pour nous soutenir et continuons tous ensemble notre combat. Il faut qu'on soit solidaires, nous pêcheurs, face à tous nos opposants. Je compte sur vous et je vous dis à bientôt.